Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans cette édition. 24 heures de plus, voilà le temps qu'il faudra attendre pour savoir si Henri Nagapin restera à la tête de la Chambre de commerce de la CCI. Le tribunal administratif de Guadeloupe qui avait été saisi de plusieurs recours concernant la validité des élections réalisées en novembre dernier a prorogé son délibéré. La décision de la juridiction qui devait être initialement connue à 11 heures aujourd'hui sera ainsi rendue demain mardi à midi. Un détenu guadeloupéen a été retrouvé pendu dans une prison à Brest, dans le Finistère. Les équipes de la prison ont tenté de le réanimer avant de le transporter au centre hospitalier universitaire de Brest, où il est finalement décédé. Une enquête a été ouverte et une autopsie a été effectuée. La famille souhaite avoir des détails du rapport d'autopsie. Mouvement de grève au collège Albert Baclay à Saint-Louis-de-Marie-Galante. Certains enseignants et des parents d'élèves du collège sont mobilisés contre la suppression de postes annoncés dans leur établissement scolaire. Le collège des Roches-Gravées à Trois-Rivières pourrait suivre le même mouvement. Un mot pour vous dire que les négociations annuelles obligatoires entre l'intersyndicale UGTG-CGTG et la direction de l'usine Gardel sont toujours au point mort. L'intersyndicale a annoncé chez nos confrères d'RCI une mobilisation demain mardi 14 février. Un conseil municipal s'est tenu ce matin à Basse-Terre. Conseil municipal houleux. L'ordre du jour, la destitution d'un adjoint au maire, celle de M. Bachila Jean, membre de la majorité actuelle de la mairie de Basse-Terre. Une plainte a été déposée à l'encontre de l'élu par un chef de service qui a reçu des menaces verbales. Un comportement condamné par Marie-Luz Panchard, maire de Basse-Terre. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par Blaise Mandjiwa. Vous entendrez à la suite la réaction de Bachila Jean, l'élu destitué. Nous le connaissons tous. Il y a un moment, il ne faut pas franchir une ligne que je considère comme une ligne rouge, à savoir empêcher le bon fonctionnement des services de la ville, puisqu'il a porté atteinte à l'autorité d'un chef de service qui était dans l'exercice de ses missions et qu'aujourd'hui j'ai une plainte qui a été déposée à l'encontre de cet adjoint. Vous savez, je suis maire de la ville, mais aussi je suis chef du personnel et j'ai une obligation, l'obligation d'assurer la sécurité des agents au sein de cette municipalité et faire en sorte que les services fonctionnent dans l'intérêt général et qu'ils soient bien au service de la population. Et pensez-vous que ça en restera là, cette affaire ? Vous savez, moi je crois à la capacité des Guadeloupéens de mesurer effectivement l'importance de l'acte que nous avons fait ce matin, parce que c'est un acte courageux, c'est jamais simple, c'est aussi un échec pour nous, parce qu'on a considéré que ce jeune qui était investi dans la vie locale pouvait parfaitement exercer des missions et contribuer à être au service de la population. Il n'a pas su, on a voulu lui donner cette chance, il n'a pas su la saisir. Maintenant, il faut tirer des enseignements parce que c'est toute la majorité qui peut être mise en cause par une population qui ne comprend pas le comportement de quelqu'un qui représente une autorité publique et qui se comporte, parce qu'à des moments donnés, nous sommes presque dans des propos diffamatoires. Beaucoup de citoyens pourraient porter plainte et donc, du fait de sa délégation, puisque c'est le maire qui donne sa délégation, il me fallait prendre cette responsabilité avec la majorité et j'ai pris mes responsabilités. Pour vous, l'affaire est close ? Vous savez, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Ce n'est jamais simple. Mais quand on exerce des responsabilités, il ne faut pas se cacher derrière les problèmes qui se posent. Il faut les assumer. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais au quotidien, parce que je n'ai qu'un souhait. C'est faire en sorte que cette ville fonctionne bien dans l'intérêt des Bastériens. Et je veux surtout participer à donner une image à la classe politique qui soit cette image de servir l'intérêt général et à des moments donnés montrer que la question de l'exemplarité trouve toute sa place lorsqu'il s'agit d'exercer des missions de service public. Oui, tout à fait, M. Bachila, adjoint maire. Ça veut dire, monté Kabbalah au grand bonnet depuis vendredi dernier, j'étais à Paris pour destituer moi, pour franc parler moi et pour prise de position moi. Mais ça pour la population Basse-Terre savent que je m'étais fait ce qu'on adjoint maire à la ville de Basse-Terre. Fait ce qu'on a soif de pouvoir, on a tenté de adjoint maire parce que récemment, nous avons pris un conseil municipal pour nous élu M. Debois-Olin, dont M. Félix Coyolan disputé, elle, 7 000 chèvres, oui, et même M. Chaud, elle s'est répondu
fait ce que mais fait ce que l'on besoin adjoint maire mais à jaba madame au travail à bas simon au travail à bas maîtresse au travail et maîtresse au remettre dans la liste électorale et maîtresse aussi mademoiselle Katie Desfontaines mais pratique occulte ça qui passe en mairie Bastia. Mais attendez, vous êtes en train de mettre en cause beaucoup de gens de manière explicite. Est-ce que vous savez que ça peut être diffamatoire? Et pas ni rien diffamatoire, c'est la vérité en cas de dire. Si c'est diffamatoire, dis-le, allez porter plainte et y'a que vous. Politique toujours, la région Guadeloupe était en déplacement samedi dernier dans la commune de Sainte-Anne. Harry Chavis, président de région, a rencontré le maire Christian Baptiste. Durant ce village, il était question de formation professionnelle, de questions liées à l'amélioration de l'habitat et les aides régionales. Je vous propose d'écouter la réaction de Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne, au micro de Mario Moradel pour ETV Guadeloupe. On est senti que cette année est en mode projet. Cette année doit se doter d'équipements structurants. Et par conséquent, nous avons présenté dans un premier temps des projets qui sont d'intervention régionale, de la compétence régionale, par exemple pour pouvoir restructurer les abords de la sécurisation de l'école de Châteaubrun, le boulevard, l'évacuation d'eau pluviale sur le boulevard, entre autres, mais aussi des projets que nous allons porter comme le complexe sportif de Bois-Jolan-Gissac, avec un gymnase, des cours de tennis, un clubhouse. Donc ce sont des projets sur lesquels la région va nous accompagner, ainsi que la rénovation et la modernisation du centre culturel. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'aujourd'hui, cette année doit faire en sorte assez rapidement que ces projets puissent se concrétiser. Évidemment, il y a des études, là aussi, la région va nous accompagner. Et donc par conséquent, globalement, l'ensemble des projets que nous avons présentés, il y aura un accompagnement régional. L'actualité nationale et cette avalanche qui s'est produite à Tignes en Savoie. 4 personnes sont mortes selon un bilan définitif de la préfecture qui a annoncé la fin des recherches lundi après-midi. Une 5e personne est actuellement entendue par les enquêteurs. Elle se trouvait avec le groupe quelques minutes avant l'avalanche. C'est un artiste, pas n'importe lequel. Il a choisi de mettre ses talents au service de la musique et son expérience au service des jeunes. À l'occasion du 15e salon régional de l'étudiant qui débute ce jeudi au Palais des Sports du Gosier, nous accueillons sur le plateau de TV le parrain de l'événement. Bonsoir Chris. Bonsoir Laura, bonsoir tout le monde. Alors on l'a dit, vous êtes le parrain de l'événement. C'est un honneur pour vous? Bien sûr, d'autant plus que je considère que le salon de l'étudiant, c'est un rendez-vous qui est primordial. Souvent quand on arrive au bac ou même avant, on a toujours besoin d'informations pour s'orienter. Et même avec Internet où il y a foison d'infos dans tous les sens, avoir un salon où on peut avoir toutes les informations rassemblées, des ateliers de travail et savoir quelle opportunité on peut avoir pour la suite de ses études, c'est important. Et donc je suis très content d'être le parrain cette année. On l'évoquait juste avant le début de cette interview, on parlait de l'orientation. D'après vous, justement, comment bien orienter ces jeunes? Il y a forcément les informations, les stands d'informations, mais est-ce qu'il y a un moment la question du choix ou peut-être d'autres questions qui viennent s'ajouter, se greffer à ça? Oui, c'est très important. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu recours à des tests de personnalité pour pouvoir choisir mon orientation. Lorsque j'étais en classe de première, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire dans la vie. Bon, bien sûr, j'avais la passion de la musique, mais en termes d'études, je ne savais pas quelle suite j'allais donner après le bac. Du coup, je me suis rendu au CIO où j'ai fait des tests qui me permettaient de savoir par rapport à ma personnalité, ce que j'aimais faire, vers quel type de métier je pourrais m'orienter. Et donc, je l'ai vécu moi-même, la problématique de l'orientation, elle est bien réelle pour tous les étudiants. Vous vous investissez auprès des jeunes. Sur cet événement, quel sera votre rôle? Alors, mon rôle, c'est le rôle de parrain, à savoir être présent pour la cérémonie d'ouverture et partager aussi, je prendrai la parole, je vais partager ma propre expérience d'étudiant, celle que j'ai eue, et ma vision du parcours, que ce soit pour le premier emploi ou de façon générale le développement professionnel à partir des études. J'ai proposé à l'organisation du Salon de l'étudiant d'amener également ma touche. Oui, samedi après-midi justement, le hockey. Voilà, c'est ça, d'organiser une rencontre entre les médias diffuseurs de musique, donc les radios, et les artistes, artistes confirmés ou artistes amateurs, afin qu'ils puissent améliorer, ouvrir un dialogue en tout cas, afin d'améliorer la collaboration entre artistes locaux et médias locaux. Donc c'est une problématique que moi j'ai eu à gérer au niveau de mon label de production et de ma propre carrière, et j'ai remarqué qu'il y avait certaines difficultés au niveau des médias locaux
pour travailler avec les artistes. Donc, est-ce que ça veut dire manque de visibilité, manque d'information aussi? Je pense qu'il y a un manque de dialogue, oui, tout simplement, entre les diffuseurs de musique et les artistes locaux qui génèrent une certaine incompréhension et des frustrations au niveau des artistes. Et au lieu que chacun campe sur ses positions et boude de son côté, j'ai voulu entreprendre d'organiser cette rencontre. D'ailleurs, je me suis adjoint les services d'une classe de troisième année de licence de lettres modernes au DPLSH de Saint-Claude, parce qu'ils ont une unité d'enseignement qui traite de la gestion de projets culturels. Et c'est eux qui, avec moi, ont invité déjà tous les médias à venir et qui vont intervenir sur ce rendez-vous de samedi après-midi à partir de 14h. Donc j'en profite pour rappeler que pendant tout le salon, y compris pour samedi après-midi, l'entrée est libre et gratuite. Gratuite, oui, voilà. on le rappelle. Est-ce que c'est facile de combiner sa passion et les études, puisque c'est votre cas, ça a été votre cas? Tout à fait, ça a été mon cas. J'ai eu la chance de trouver une formation qui me convenait vraiment. Pour le coup, tout ce qui concerne le monde de l'entreprise, pour moi, c'est créer une entreprise, c'est aussi une création, ouais, en soi. C'est-à-dire, tout comme écrire une chanson, on part d'une idée, d'une feuille blanche, et on arrive à un projet qu'on cherche à concrétiser, sur lequel on travaille sur la durée. Mm-hmm. Donc, ma formation me passionnait également. Ouais. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faut simplement travailler, il faut être organisé, il faut avoir de la volonté. C'est le message, c'est le conseil que vous donnez aux jeunes? Et on peut tout faire, oui. C'est le conseil que je leur donne. Il ne faut rien lâcher, il faut avoir de la volonté et il ne faut pas avoir peur du travail. Le thème de l'éducation et du premier emploi. Comment, d'après vous, on accompagne un jeune dans le cheminement entre les deux? Alors déjà, dans un premier temps, il y a un conseil que j'ai entendu au temps où j'étais étudiant et je pense que c'est un conseil primordial, c'est qu'on choisit des études par rapport au métier. Voilà, on se dit, qu'est-ce que je veux faire comme métier? Je veux faire ça, donc le chemin pour y arriver, c'est telle formation. On ne se dit pas, ah tiens, j'ai entendu que telle formation, c'est pas mal, je vais la faire. Non, on raisonne par rapport au métier auquel on veut arriver. Qu'est-ce que vous dites au jeune qui va vous répondre, oui, mais je suis peut-être pas bon dans cette matière ou dans une autre? Qu'il faut travailler. Oui, oui. Voilà, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir des prédispositions pour les maths ou des prédispositions pour les langues, mais je pense que lorsqu'on a un objectif et qu'on est déterminé à l'atteindre, on peut équilibrer ses carences. Même quand on fait, par exemple, j'ai fait des études de commerce. Dans les études de commerce, il y a les maths, mais il y a aussi le marketing ou les sciences humaines qui touchent à d'autres compétences, d'autres sensibilités. Donc, il y a des élèves qui étaient plus doués en maths, moins en sciences humaines et vice-versa. Ouais. Mais il y a toujours moyen de s'en sortir à partir du moment où on travaille. Quel regard vous portez sur les faits de violence aujourd'hui en Guadeloupe, faits de violence qui concernent malheureusement souvent les jeunes? Ça me désole en fait. Ça me désole. C'est vrai que je suis comme tous les grands frères, comme tous les parents qui regardent, même les jeunes qui voient d'autres jeunes s'entretuer. Ça me désole. Ce que je voudrais dire, c'est que franchement, il n'y a pas de solution toute faite. Mais c'est vrai que l'éducation, même la culture aussi, a un rôle à jouer dans le fait d'occuper les jeunes, de les aider à sortir de ces chemins, quoi. Il y a d'autres voies. Ok. En tout cas, c'est un message de rassemblement, de réunion, de fraternité que vous appelez peut-être durant ce salon. Oui, bien sûr. La formation aussi. Oui, oui. Déjà, je trouve que les études, c'est une voie pour s'en sortir, quoi. Quand on peut faire des études, puisque malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut, il y a des aides qui existent, il y a moyen de faire des choses. Et d'ailleurs, au salon, on pourra trouver des informations, voilà. Comment solliciter une bourse, comment solliciter une subvention. Je pense que la région Guadeloupe a mis en place quelques dispositifs qui peuvent aider les jeunes qui sont de foyers modestes. Okay. Donc moi, ce que je dis, c'est que quand on a la chance de pouvoir faire des études, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, que c'est une voie pour s'en sortir et voilà. Merci beaucoup, Chris, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de m'avoir invité et j'invite tout le monde à venir à partir de ce jeudi, de jeudi à samedi. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée avec les programmes de TV et merci de votre fidélité.